En sport, plus rien ne va au FC Renaissance du Congo. L'écurie orange a des sérieux, sérieux problèmes en interne. Les supporters ont saisi ce mardi le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il réclame la démission pure et simple de l'évêque Pascal Mukuna, président du club. Junior Bompema et Doudou Kassouba. Ils sont partis à la rencontre du gouverneur André Kimbuta pour exprimer leur ras-le-bol quant à la gestion de leur club. Après un début de saison très flottant du club orange de la capitale, soit un seul point obtenu en 4 sorties, les Fibos réclament le départ pur et simple du président sportif, l'évêque Pascal Mukuna. Le numéro 1 de la ville pris par des obligations étatiques, les Fibos boss ont été reçus par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la ville qui, à son tour, a refusé l'accès à notre caméra. Après un court entretien mais concis et précis, le compte rendu est fait aux nombreux supporters présents sur les lieux. Message à Liboso et à Motou et à Mounen et Zali, unité dans cette équipe. Mais ça, tu vas nous connaître. Et là, quand tu as un unité de message à Mounen et à Ngola, tu as un message. Ce qui est une unité, équipe qui est une bonne équipe. Ce qui est gestion équipe, on a un match qui est un match qui est un supporter, tu as un match Bavekibe Bazali Awa, Batu DSMP Bazali Awa, Batu Mazembe Bazali Awa, Soki Biso, groupe de réflexion, Tozui, équipe Wana. Bajune Yosu et Tikali, Tozo, mon équipe, ok, ou gagne Biso. Après l'hôtel de ville de Kinshasa, les Fibos se sont dirigés vers la Fédération Congolaise de Football Association, où ils ont déposé une lettre demandant l'implication personnelle de M. Constant Oumari afin de sauver le club orange de la capitale.